Allô, 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 bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. C'est votre servante moyenne. Il faut partager, il faut aimer et il faut s'abonner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, notre guide, notre Dieu d'amour. Seigneur, je vais te dire merci. Merci en ce jour béni. Je vais te remercier pour la délivrance. Je vais te remercier pour tes hauts faits. Je vais te dire merci pour ta fidélité. Je vais te dire merci pour ton amour. Je vais te dire merci pour la protection. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Il faut prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire Ésaïe 41. Ésaïe 41. Et nous allons prendre le verset 11 au verset 12. Verset 11 et 12. Voici. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit célébré. Alléluia. Il y a des gens certainement qui cherchent à te faire du mal. Mais là n'est pas le problème. Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est le Dieu protecteur. Le Seigneur, je vous ai dit que nous partageons beaucoup de choses ensemble par rapport au sujet de la Côte d'Ivoire. Voilà, le Seigneur, et je partage les rêves, les visions, les songes avec vous. Alléluia. Il faut prier quand le Seigneur révèle, c'est pour que toi et moi, nous prions pour notre pays, afin que les pouvoirs démoniaques, tout cela s'en aille dans les lieux arides. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni, afin que nous soyons dans la joie. Alléluia. Voilà, le Seigneur va me révéler beaucoup de choses la nuit dernière. Il va me ravir en esprit. Je vais me retrouver à Abidjan. Abidjan, dans un quartier, on appelle le quartier Cocody. Voilà. Voilà, le Seigneur va m'envoyer à Cocody, dans ce quartier où il y avait un parterre de monde. Il y avait du monde. Mais toutes ces personnes-là étaient habillées en rouge. Ils étaient de rouge vêtus. J'ai vu beaucoup d'enfants qui étaient habillés de rouge vêtus aussi, des grandes personnes, tout et tout. Et le Seigneur me dit qu'il y a funérailles. Il y a funérailles. J'ai vu beaucoup de grands types. Vous voyez, les grands types, quand on dit grands types chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont des gens bien placés, des gens mieux placés, les ministres, les DG et autres, là, les directeurs, ce sont des grands types qui étaient assis. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Vraiment, il y avait du monde. Et ça pleurait de l'autre côté. Et j'ai vu un corbillard arriver. Les funérailles là étaient vraiment grandioses. Ce n'est pas le funérailles de n'importe qui, comme on le dit, mais c'est une personnalité qui a perdu la vie. Voilà, il y a la mort d'une personnalité, un homme de bien, un homme bien placé. Il y avait du monde, toute la Côte d'Ivoire était remplie de monde. Et ça pleurait,
Mais les gens, la particularité est que les gens étaient habillés de rouge vêtus. Ils étaient en rouge. J'ai vu des catégories de personnes, d'autres étaient en noir, d'autres étaient en blanc. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est ceux qui étaient de rouge vêtus. Et le Seigneur me dit, regarde, voilà, ils vont faire sortir le cercueil. Ils ont fait sortir le cercueil, mais le Seigneur m'envoyait vers là-bas, mais j'avais fermé les yeux parce que je ne voulais pas voir le visage du mort. Le Seigneur me dit, il faut regarder, mais je fermais toujours les yeux. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi as-tu peur? Je criais, je ne voulais pas vraiment voir le mort, le visage du mort. Mais les gens parlaient de quelqu'un, d'une personnalité de notre pays. Voilà, dont j'étais le nom pour ne pas effrayer les gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte ça. Donc, par sagesse, j'étais le nom. Mais il y a une personnalité qui va nous quitter. Voilà, dans les semaines à venir, il y a une personnalité au niveau de la Côte d'Ivoire qui va mourir, qui va partir. Voilà, c'est son destin. Voilà, donc il faut prier pour nos autorités. Alléluia, il faut prier pour nos autorités. Il faut prier parce qu'il y a la mort sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de morts, beaucoup d'empoisonnement, beaucoup de morts. Donc il faut se contrôler. Nous sommes à une période où il y a la fête de Pâques, là, le dimanche. Voilà, mais il faut savoir avec qui manger, il faut savoir avec qui boire, avec qui partager ton repas de Pâques. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Voilà, le Seigneur me l'a dit qu'il faut faire beaucoup attention. Voilà, je ne veux pas dévancer, je ne veux pas donner de nom. Mais il faut prier le Seigneur, comme il est esprit, notre Dieu est esprit et vie, le Seigneur va te révéler le nom de la personne. Voilà, c'est une autorité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que vous voyez que la Côte d'Ivoire est attaquée par la méchanceté de certaines personnes, la méchanceté même des gens. Voilà. Voilà, il faut faire beaucoup attention et je contrôle aussi mon langage pour ne pas que les gens viennent m'arrêter. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Avec sagesse, nous allons y arriver. Alléluia, il y a des pouvoirs occultes, des pouvoirs sataniques, il y a des pouvoirs démoniaques, il y a l'empoisonnement, il y a des tueries, il y a des méchancetés, il y a des complots. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire et prions pour nos autorités, prions pour nos vies, prions pour nos enfants, nos petits-enfants, prions pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi afin que son nom soit glorifié dans ta vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'impossibilités dans nos vies parce que nous ne pouvons pas atteindre toutes ces autorités. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Il y a beaucoup de montagnes, voilà, des difficultés à les joindre. Mais Dieu est avec nous. Dieu étant avec nous, nous allons faire beaucoup, beaucoup d'espoir. Alléluia. Il y a beaucoup de difficultés, certainement dans ta vie, toi aussi. Mais le Seigneur va le faire. Le Seigneur va libérer ta vie. Alléluia. Il va confondre l'ennemi. Alléluia. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Alléluia. Afin que l'esprit de l'ennemi sur la Côte d'Ivoire quitte la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit totalement libérée. Il y a un combat à faire, c'est prier. Il y a un combat à faire, c'est prier pour nos ennemis. Il y a un combat à faire, il faut noyer l'ennemi dans la poussière. Il faut le noyer, il faut noyer l'ennemi dans l'eau sale. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, votre servante, moyen. Il faut s'abonner, il faut partager et il faut aimer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci pour le miracle que tu as accompli dans nos vies. Je vais te dire merci pour ton amour. Je vais te dire merci, Seigneur.
Tu es merveilleux, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Que Seigneur, ton esprit soit avec nous. Que ton esprit nous couvre. Que ton esprit nous inonde. Que ta grâce infinie soit sur nos vies. Et que tu nous protèges. Tu veilles sur nous. Alléluia. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen.